Selon les temps, bonjour mes cœurs, bonjour mes amours, si l'on sait comment, je suis super bien. Je suis content de vous voir et de vous partager ma joie. La santé, c'est la première des choses quand tu te vas arrêter sur tes deux pieds. Voilà. Quand tu te vas arrêter sur tes deux pieds, il faut remercier le bon Dieu. Il faut remercier le Seigneur, c'est le plus important. Allez-y, faites cette recette, je vous en prie. Vous allez me dire un petit merci. Allez-y, faites cette recette. Vous serez content par grâce à le bon Dieu. La recette d'aujourd'hui est basée de quoi, mes cœurs? Mes amours, c'est pour avoir le mariage. C'est pour avoir le mariage que je vous partage aujourd'hui. Parmi nous, il y a des sœurs vraiment qui veulent réellement pour avoir le mariage. Il y a des sœurs qui veulent vraiment avoir toujours le mariage par grâce à le bon Dieu. Mais jusqu'à présent, elles n'arrivent pas à avoir le mariage. Mes cœurs, viens prendre cette recette. Tu vas me dire un petit merci. Viens prendre cette recette. Tu serais heureux, tu serais content par grâce à le bon Dieu. Allez-y, faites cette recette. Vous allez me dire un petit merci. Allez-y, faites cette recette. Vous allez être content, mes amours, par grâce à le bon Dieu. Voilà, cette recette est basée de quoi? C'est simple, naturel. Simple, naturel, mes cœurs. Partagez maximum. Les autres vont voir à travers de vous, les cœurs. Merci pour vos partages. Et merci de vous abonner. On aurait besoin de quoi? Toi, tu veux vraiment avoir toujours. Comme ça se doit, mes cœurs. Comme ça se voit, mes cœurs, pour le mariage. Ma soeur, tu veux avoir le mariage. Voilà cette recette qui va vous aider beaucoup. Voilà cette recette qui va vous rendre heureuse. Qui va vous aider beaucoup par grâce à le bon Dieu. Vous aurez besoin de quoi? Avec l'ingrédient simple, naturel. Va rendre heureuse. Va, mes cœurs, tu vas prendre le chevet de toi-même. Toi, femme, tu vas prendre le chevet de toi. Quand tu prends ton chevet, le chevet sec de toi, tu vas faire en poudre. Quand tu le prends, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mélanger ça avec le bon miel pur. Tu la calcines ça, tu vas calciner, tu fais en poudre là. Tu vas la faire sécher avec, tu la fais en poudre. Tu mélanges la pâte là avec le miel pur. Tu vas, quand tu fais avec le miel pur, à chaque fois quand tu sors, voilà, tu vas faire passer ça sur le visage. Avant de sortir, mes bébés, fais cette recette. Par grâce à le bon Dieu, tu serais content. L'homme aussi veut faire aussi. Pendant 14 jours, cette recette-là, tu le fais chaque jour pendant 14 jours, sans le rencontre d'un homme ou sans rencontre d'une femme, pour avoir le résultat soit toujours positif de toi. Allez-y, le faire revenir mes pointés. N'oublie pas pour vos partages et de vous abonner. Les autres aussi vont voir à travers de vous. Merci pour les...